Oh, il a une nouvelle arme. Il a une nouvelle arme. Ok, oh, en épique du coup. Quoi? Attends, quoi? C'est trop bien. Quoi? On l'a en or. Ok, on va tester en or. Ça doit être encore pire. Ok, yo tout le monde, yo les potes, ici Nono, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, je viens de sortir de la douche. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je viens de sortir de la douche. Et la match vient de se terminer, du coup, je vais lancer une petite game, on va tester la nouvelle arme. Il y a aussi les gâteaux qui sont apparus pour l'anniversaire de Fortnite. Donc les gâteaux, voilà, ils redonnent 5 PV et 5 de shield. Il y a la nouvelle P90, comme je vous l'ai dit. Donc on va tester tout ça, on va essayer de la trouver, on va la tester. Aussi les mecs, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, il est en description. J'ai fait un nouveau Twitch, du coup voilà, si vous voulez me voir streamer, je stream plutôt souvent sur Fortnite, faire des games avec moi ou quoi, c'est dans la description, go me follow. Sur ce, on est parti pour la game, let's go. Oh les mecs, le bus il a changé. Le bus il est grave stylé. Comme c'est l'anniversaire de Fortnite, ils ont fait un petit truc original. C'est grave cool, honnêtement je kiffe. Il faut aussi savoir que les parts de gâteaux que vous pouvez manger donnent 5 PV et 5 de shield de façon instantanée. Ah bah du coup il y a un gâteau là. Il y a un gâteau à retail. Vous pouvez voir juste là, où je vise. Il y a un gâteau à retail, ok. Ok, ok. Donc, s'il nous manque de la vie ou quoi, on sait où aller. Donc, ça donne 5 de shield et 5 PV instantané. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Ça, il venait de prendre le shotgun, hein. Il venait de prendre le shotgun. Ok, toi je sais pas ce que tu veux moi. Ok, on l'a eu, let's go. Let's go, let's go. Ok, bon petit début de game là pour le coup. Par contre on n'a pas trouvé l'arme encore. Donc elle est dispo qu'en épique et en légendaire l'arme. J'ai vraiment envie de la tester pour voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne. Elle est dispo qu'en épique et en légendaire, du coup c'est pour ça qu'on galère un petit peu à la trouver je pense. Ok, toi tu dégages. Oh, tellement l'HP. Ok, let's go. Putain, il avait 9 HP, un truc comme ça. C'est moi, j'ai pas fait de dégâts là. Ok, let's go. Est-ce qu'il avait l'arme? Putain, il a pas l'arme, sérieux. Il a pas l'arme les mecs. Dans notre coin, on va regarder le snipe. Je vais continuer à jouer au snipe. Alors, du coup, on va tester un petit peu les parts de gâteaux. Est-ce qu'on peut tous en prendre? Mais est-ce que c'est limité? Je ne sais pas. Ok. On les prend où? Est-ce qu'on peut le casser? Ok, on peut pas le casser. D'accord. C'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas comment est-ce qu'on peut en prendre. Il me semble avoir vu des trucs autour du gâteau. Et je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Bon, déjà 6 kills. Déjà 6 kills en sortant de retail. Pas si mal en vrai. Ah, les constructions ne tremblent plus quand on les casse. Comme les arbres tremblent. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je casse une barrière, elle tremble pas. Elle est statique. Ok, si ça peut être mieux. Hein. Si ça fait moins laguer les joueurs en vrai. Il peut y avoir des gens qui vont arriver de paradise, du coup, faut que je fasse un petit peu gaffe. Il y a une faille qui a été prise. On va essayer de voir un petit peu où est-ce que l'ennemi va aller. T'es descendu là, Rigdale, mon pote. J'arrive pour te chercher. Ok, moi, on va essayer de shin. Ok, moi, on se sent de shield, lui. Oula, oula. Je vais reculer. Oh putain, il doit être tellement low HP. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il doit être tellement low HP. Je vais essayer d'aller le prendre. Je vais essayer d'aller le choper, le mec.
Ok, bon, soit. On dirait que c'était nerf le C4. On dirait que le rayon d'action du C4 est beaucoup moins élevé qu'avant. Je sais pas si vous voyez une différence, mais moi, on dirait qu'il y en a une pour moi. Tu vas où, hein? Ok. Je sais pas ce qu'il voulait, lui. Tac, on va prendre ça. Il me semble qu'il y a une slurder. Toujours pas la nouvelle arme. Enfin, attendez, j'ai pas vraiment fait gaffe, du coup. Je vais relire ça deux secondes. Il me semble pas qu'il y a une nouvelle arme. Oh, il y a deux slurps. Il y a deux slurps, ça c'est pas mal. Non, il n'y a pas la nouvelle arme. Putain. Il n'y a pas la nouvelle arme. Oh. Ils ont refait le design de l'arme. Très stylé. Très stylé, en tout cas, le redesign de l'arme. Je sais pas si vous avez vu, mais regardez, elle est beaucoup... beaucoup plus stylé, je trouve. Quand tu veux la slurp, allez. Putain, ça régénère combien la slurp? Ok, donc maintenant, ouais, comme je vous ai dit, ça spawn avec le même nombre d'HP, le bois et la brique. Comment j'ai loupé ça? Ah ouais, ok. Ça a pas changé, hein. Ça a pas changé du tout. Oh, il a une nouvelle arme. Il a une nouvelle arme. Ok, en épique du coup. Quoi? Attends, quoi? Quoi? Oula, attends. Quoi? Mais c'est la nouvelle méta? C'est trop bien! Quoi? What the f... Je kiffe. Je sais pas vous, mais moi je kiffe. Je sais pas vous, mais moi, je suis en love sur l'arme. Elle est trop bien. Ça va être ça la méta, hein. Pompe... Attendez, deux secondes, je m'occupe de lui. Par contre, ouais, ça vous a bien touché. 125? Je me rappelle plus que ça faisait ça comme dégâts dans la tête. Je crois que ça faisait un 180 comme ça. Ouais, ça va être ça, mais t'as un pompe lourd et pompe lourd ou chasseur pour le coup. Plus P90. C'est cool. J'ai pas encore testé sur les construits, mais ça doit être insane, hein, sur les construits. En or. On l'a en or. Ok, on va tester en or. Ça doit être encore pire. Elle fait combien de dégâts en or? 24. 4 lances de tir. 11. Ok, ok. Ça a d'être tellement précis en plus de ça. Ça a d'être trop bien. En vrai. Le mec, déjà, je l'ai laser l'autre. Hein. C'est incroyable. Hein. Voilà, 12 kills en vrai. Petite game sympa. Petite game sympa, sympa. Faut faire gaffe sur les montagnes, s'il n'y a pas des gens. Petite fin de game à Paradise. Stylé. Oh putain. Voilà, c'est un petit peu trop bon pour le coup. On regarde derrière soi s'il n'y a personne. Parce qu'étant donné qu'on est low HP, on peut facilement crever là. Est-ce que ça touche d'ici? Mec? What? Les mecs? Je vais. Avec un chargeur, j'ai réussi à péter 3 constructions de là. C'est. What? En fait, les mecs, le problème que ça a posé cette méta là, c'est qu'il va y avoir encore plus de débutants qui vont jouer avec cette arme là justement. Et en gros. Ça va être hyper compliqué pour nous, les anciens joueurs de double pompe et voilà les joueurs qui jouent depuis quand même un petit bout de temps. De pouvoir jouer justement contre ces joueurs là et pouvoir faire des solo vs duo, des solo vs squad, vous voyez. Ça va être plutôt compliqué parce que ils pourront encore plus spam. Ouais, hit marker. En plus de ça, c'est des balles légères. Oh là 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 là, c'est insane hein. Ça a toutes les caractéristiques pour être une arme surcheatée, genre.
Temps de rechargement. Moyenne durée en vrai. En vrai, ça va. Le toit. Je vais essayer de monter là. Sans me faire tuer, ce serait pas mal. C'est le projet qu'on va essayer de faire aboutir, de pas mourir. On va construire un métal pour pas se faire entendre. Arrête frère. C'est même pas toi là, c'est même pas toi que je veux fight. Sois tranquille wesh. On l'ouvre moins ta grande gueule hein. On l'ouvre moins sa grande gueule hein. Je crois que c'est en train de se battre en dessous de moi. C'est ça. Bon par contre pas longue distance, mais à mid distance modérée un peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un peu plus au-dessus de moyenne. C'est pas l'arme la plus efficace, quoi. Mais on sait, on s'en doutait un peu. Parce que bon, sinon, ce serait pas une arme, ce serait un truc un petit peu trop cheaté. On pourrait pas qualifier ça d'arme, je pense. Ok, bon bah on s'est fait tuer plutôt, comment dire, plutôt rapidement, hein, faut le dire. En tout cas les mecs, je trouve que l'arme elle est un petit peu trop OP en vrai. Parce que les nouveaux joueurs qui vont essayer l'arme justement et qui vont l'utiliser contre les autres, eh bien ça va être trop facile pour eux de pouvoir nous tuer ou bien de genre juste de nous spam en fait avec tous leurs potes. Par exemple s'ils sont trois et que t'es tout seul et qu'ils ont l'arme plus des pompes, plus des roquettes, des miniguns, des trucs comme ça. Ça va être très compliqué de s'en sortir. Donc voilà, en tout cas, mettez un petit pouce bleu si c'est le cas, si ça vous a plu. Mettez un petit commentaire pour me dire votre avis sur l'arme. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Nono. Ciao.